entre 2h et 3h du matin, eh bien là, donc l'ensemble, hein, comme on pouvait le dire tout à l'heure, de ces parachutistes sont arrivés sur le sol normand. Ils vont déjà, dans un premier temps, tenter de se regrouper, de trouver l'endroit où est-ce qu'ils sont, parce que, comme on a pu le dire, au niveau des largages, ça n'a pas été au beau fixe, hein, donc ils vont devoir se localiser. Toujours est-il que l'ensemble, le reste de l'armada alliée qui est en train d'arriver, eh bien eux savent extrêmement bien où est-ce qu'ils sont, et je vais vous parler à ce moment-là, eh bien des forces navales américaines alliées qui sont en train d'arriver au large des plages du débarquement, et notamment eh bien de la force navale U pour Utah Beach et la force navale O pour Omaha Beach. Entre 2h et 3h du matin, c'est l'heure à laquelle la force navale qui est censé arriver sur Utah Beach va se positionner au large entre 20 et 24 km au large de Utah Beach. Plus de 800 navires forment cette force navale. Cette force U, elle est commandée par l'amiral Moon, hein, notamment, qui est assez connu, que vous connaissez peut-être, qu'on a pu retrouver dans différents exercices, notamment de la préparation du 6 juin. Je pense à l'exercice Tiger, notamment, hein, cet amiral Moon, qui va également être aux commandes de la force navale U lors de l'opération Tiger. L'ensemble de cette force va se positionner au large. Les hommes qui sont censés débarquer sur Utah Beach vont également commencer à se préparer. Parce qu'ils sont dans cette force, hein, dans cette flotte, ils ne vont pas traverser la mer de la Manche dans les barges de débarquement, ils vont traverser dans des navires un petit peu plus gros, un petit peu plus confortables évidemment aussi, et ça n'est qu'un petit peu plus tard, on en reparlera tout à l'heure lorsque les hommes vont embarquer, mais à ce moment-là, entre 2h, 3h, les bateaux prennent position au large, les hommes préparent leur équipement et ils savent que c'est bien évidemment leurs dernières heures, hein, de paix, de repos, avant que vraiment la grande opération commence quelques heures plus tard. À ce même moment, tout se chamboule assez rapidement parce que, étant donné que beaucoup d'alliés sont en train d'arriver sur le territoire, on a parlé des parachutistes, on a parlé de ces forces navales qui arrivent au large des plages, eh bien, les alliés vont mettre en place un brouillage des communications de l'armée allemande. Je vais parler là notamment des émetteurs Bagpipe et Chatter qui vont être positionnés en Angleterre. Ces deux émetteurs auront pour rôle notamment de brouiller les communications entre la Kriegsmarine et la Luftwaffe, ce qui permettra, eh bien, dans un premier temps, une communication complètement nulle. Et ensuite de ça, eh bien, un doute au niveau de l'armée allemande qui hésitera évidemment à riposter à ce moment-là, et un brouillage au niveau des communications, ce qui ne permettra pas une analyse parfaite de combien d'hommes sont en train d'arriver. Ces deux émetteurs sont positionnés en Angleterre et vont se mettre en route entre 2h et 3h du matin. Le but pour les alliés à ce moment-là, eh bien, c'est de gagner un maximum de temps, évidemment, parce que plus l'effet de surprise est là, et évidemment, eh bien, plus ils sont susceptibles de gagner. Donc la moindre minute d'effet de surprise est importante, et c'est d'ailleurs ce que la force navale U va remarquer, hein, l'USS Kinsey qui arrive au large de Utah Beach, qui est l'un des bombardiers notamment de la force navale U, va remarquer à 2h30 du matin, eh bien, que l'effet de surprise est à ce moment-là, c'est ce qu'indique, hein, son rapport du 6 juin, que à un moment de leur arrivée, l'effet de surprise est complètement immédiat parce qu'ils n'ont à ce moment-là, eh bien, aucune preuve que l'armée allemande les ont repérés, aucune batterie ne se sont mises en marche. Donc, eh bien, c'est extrêmement bon signe pour eux. Jusqu'à ce moment-là, eh bien, tout se déroule plutôt bien pour la force navale qui vient d'arriver au large de Utah Beach. Ça va pas forcément être le cas, hein, tout au long de la nuit, et notamment au petit matin, on en reparlera tout à l'heure. L'alarme retentit dans le poste où se situe le lieutenant Yanke. Un coup de téléphone vient de sonner, provenant du bataillon. C'est l'échelon logique qui suit les décisions qui ont été prises par Eric Marx, depuis le 84e corps jusqu'au moindre petit état-major. L'alerte est donnée et Yanke apprend la nouvelle. Des parachutistes ennemis ont été signalés derrière le secteur WN5. C'est le branle-bas de combat. Il doit mettre ses hommes en alerte. Alors, très vite, lui qui a une certaine expérience du front ne s'affole pas et choisit d'abord de lancer, comme l'ont d'ailleurs fait ses homologues sur les batteries d'artillerie dont nous avons parlé précédemment, il choisit de lancer une patrouille d'exploration parce que dans un premier temps, il pense que ça pourrait simplement être un coup
de la résistance. Alors les Allemands ont une peur bleue de la résistance, n'arrivent pas vraiment à en mesurer l'importance, le nombre, l'efficacité, et les soldats qui ont vécu le front russe connaissent particulièrement l'activité que pouvaient exercer les partisans russes, et imaginent qu'en Normandie ça pourrait être la même chose. En fait, il ne s'agit pas la résistance, mais au contraire de soldats américains, et on va très vite s'en apercevoir, puisqu'une demi-heure plus tard, les premiers tirs d'armes automatiques retentissent, ce qui veut dire que la patrouille est tombée sur une résistance, au plein milieu des marais inondés, là où on n'imaginait pas pouvoir assister à un largage de parachutistes. Et rapidement, donc, la patrouille envoyée par Janke tombe sur 25 parachutistes américains, dont la plupart sont rapidement capturés, puisque finalement, les soldats reviennent au PC avec 19 prisonniers, provenant tous du 2e bataillon du 506e Parachute Infantry Regiment de la 101e Airborne. Alors, Janke, à ce moment-là, commence à, d'abord par faire fouiller les soldats et commence à envisager un interrogatoire qu'il ne démarre pas, mais surtout, il communique avec le bataillon pour faire son rapport sur ce qui vient de se passer. Il entame la communication au moment où les fils sont coupés, ou du moins au moment où la tonalité est coupée. Il en déduit que les fils ont dû être sectionnés quelque part. Et là, par contre, on peut aisément affecter cette action soit à la résistance, soit éventuellement à des troupes américaines qui auraient sectionné un câble parmi les parachutistes ou les pathfinders qui sont arrivés dans les premiers et qui ont pu avoir l'opportunité de le faire. Donc, Janke va faire tout d'abord une fouille rapide des soldats qui sont devant lui. Il va d'ailleurs être assez surpris, comme beaucoup de soldats allemands le seront, par l'extrême modernité de tous les objets que les soldats américains peuvent avoir dans leur poche. Donc on a affaire à des parachutistes entraînés, sur deux, avec un moral assez solide d'ailleurs. Et certains sont blessés parmi eux, donc le sergent Hoffmann, qui est un infirmier, va s'efforcer d'aller leur porter les premiers secours. Et c'est ce qui va créer une sorte d'incident dans les lignes allemandes, parce que un officier américain, qui parle d'ailleurs un allemand relativement correct, va signaler à l'infirmier Hoffmann que celui-ci porte au ceinturon un pistolet, ce qui n'est normalement pas prévu au regard de la Convention de Genève. Sauf que Hoffmann est un ancien du front russe et il a l'expérience de la nécessité qui s'imposait à eux d'avoir toujours une arme, même quand on est infirmier. Pourtant, l'officier américain lui fait remarquer qu'en tant qu'infirmier, il ne devrait pas porter d'armes. Janke, voyant le malentendu, ordonne donc à son infirmier de continuer les soins sur le blessé, tout en enlevant son pistolet. Et Hoffmann aurait eu cette réponse: mais si à un moment nous sommes bombardés, l'aviation ne saura pas que je suis infirmier et que je n'ai plus de pistolet. Toujours est-il que Janke multiplie les patrouilles pour assurer la sécurité de sa position, conscient qu'il y a désormais un risque. Il met donc ses 75 hommes en alerte, mais on verra qu'il ne décide pas de les envoyer au poste de commandement, au poste de combat, ce qui aurait pu avoir une importance. Il renforce les postes de garde. Il établit des barricades aux issues qui mènent vers Sainte-Marie-du-Mont et il écoute plus attentivement tout ce qui se déroule aux alentours, sachant que les bruits de l'aviation sont de plus en plus importants et que les tirs sporadiques d'armes automatiques commencent à avoir une intensité plus conséquente, notamment dans la région de Carentan, mais aussi plus au nord, à proximité des batteries dont nous avons parlé, et également à proximité de Sainte-Marie-du-Mont. L'action se termine vers 2h45. Les parachutistes américains capturés ont été enfermés dans un blocos et la sentinelle fait savoir qu'ils sont particulièrement nerveux et réclament d'être évacués à l'arrière. Manifestement, ils craignent quelque chose.